Le 98, présenté par Jacques Loriot, qui nous vient aussi de la Côte d'Or. Il a bouffé, beaucoup fait depuis sa base secrète de Tarlebas pour promouvoir l'élevage AQPS, l'élevage tout court et l'élevage AQPS en particulier, du côté de la Côte d'Or. Ce serait sympa si vous voulez venir au soleil, ce petit poulain. Il s'appelle Hermani, il est issu de... Jacques, pousse-le un peu ton poulain, s'il te plaît, pour le qu'il mette au soleil, parce que là, il est dans l'ombre, c'est un peu dommage. Merci. Un gris de gris, la mère est pardon Alto, la mère s'appelle Lolita. Marché. Dans lequel Jacques est très... Tu veux qu'elle fait un marché ? Vous attachez. Ok. Voilà. Bon, sinon on marche. Hein. Jean-Marie fait le marché. Je crois. On va le détendre. Alors, où on était ? Oui, Jacques Loriot qui tient absolument à la descendance de Samothrace. On va le lâcher l'animal et on va le faire marcher. Comme ça, ça va le détendre. Il est joli en plus, on a envie de le voir. Lola Lolita, une fille de Samothrace, la souche de Blanville, la souche de Ludralé, colombière. Hein. Acheté 300 000 euros, je vous le rappelle, à les Colombières, aux ventes de Deauville. Famille aussi de Playing, lauréat du Duc d'Anjou. Seeing Again également, qui n'est pas dans ce catalogue parce qu'il y avait trop de choses à mettre. Grand, grand cheval de cross. On aime le cross, on défend le cross. On pense cross, on vit cross. Lola Lolita a produit notamment Kaniti, triple lauréate, notamment d'une bonne épreuve cette année, le prix Guillaume de Pracontal sur l'hippodrome de Pau.